Ok, enfin j'en prends une. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On va se faire un petit cours de step niveau débutant, tranquillement. Allez chercher une bouteille d'eau, c'est mieux. Moi j'ai fait les réserves. On aura besoin également d'un step, c'est mieux. Le mien il est pas très haut. Bon voilà, après si chez vous vous en avez des un petit peu plus haut, c'est pas grave, hein. Ça fera un peu plus travailler votre cœur et vos cuisses, forcément. Donc voilà, faites bien attention, essayez d'avoir un espace relativement spacieux, c'est quand même mieux. Et voilà, là je peux faire quand même un peu spoiler ce qui va se passer dans la vidéo, c'est que je vais amener 4 parties. Alors certains me diront, oui, Jérém, c'est pas forcément du débutant si tu amènes beaucoup de choses. Mais je m'en fous. Non, on est sur des vidéos. On est sur des vidéos, donc forcément en fait, j'ai envie aussi de donner des choses. De donner du contenu et diffuser en plus. Je ne partage pas forcément beaucoup de vidéos assez souvent. Donc voilà, là je partage du contenu. Prenez, si jamais ça devient difficile, et ben à un moment donné, c'est pas de souci, c'est pas grave. Vous mettez pause et vous allez un peu en arrière sur la vidéo, voilà, tranquillement. Et vous n'êtes pas obligé de travailler toute la chorégraphie dans son ensemble, les 4 parties. Dans la même séance, vous travaillez un petit peu, c'est pas tel jour, 2 parties, et puis après reprendre, il n'y a aucun souci. Mais voilà, là, je donne un petit peu, je donne ma signature, et voilà, ça sera le plus important. Sinon, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non, on se met en jambe, et puis bah, on est parti. Allez, à tout de suite. Tout simple, on démarre sur la première partie, c'est la plus technique. C'est la plus technique, d'accord? Mais on est en début de cours, ça va bien se passer. T'inquiète pas, je vais proposer des options. Allez, on est parti. Ok, on va rester sur la marche. Droite, gauche, droite, gauche. On est bien d'accord, hein, toi qui regardes l'écran, ça c'est la gauche. Hein. On tape, pied droit sur le step. Droite, gauche. J'espère que t'entends bien la musique. On va rester connecté avec. Tu vas me donner 2 tapes. 2 tapes, pied droit, go. 2. Et 2. Et 2. Toi qui suis mes cours, hein. Les tapes up, tu connais. Tape up. Grosse tape. Eh, je l'ai bien dit, hein. C'est la plus technique. Mais honnêtement, elle passe très très bien. Vraiment. Allez, tape up. Encore. On reste pour 6. 4. 3. Mise en jambe. Donne-moi des basiques. 2 basiques. 2. Et on reste en marche. Toujours la même jambe, hein, la jambe droite. Go, basique. 2. Et la marche. 4. 3. 2. Go. C'est facile, les basiques tu me les remplaces avec des V-steps. Tranquille, c'est droite, gauche. Droite, gauche, on est bien. 4, 3, 2, go. Petit à petit, hein, fluide. On y rajoute son propre style avec moi. Droite, gauche. Droite, gauche. On essaie de rester un peu plus longtemps sur le step. Donne-moi 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je t'ai vu, t'es tombé, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 3. Moi, j'ai un peu m'abaissé pour qu'on puisse voir ma tête quand même. 5, 6, 7, 8. Dernière fois, hein, dernière fois. C'est facile. C'est facile. 5 et 6 et 7 et 8, je descends. On rajoute un petit peu. Ouvre juste les yeux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. On va back. Idem. Droite, derrière, gauche, derrière, et on reprend. Hyper simple, hein. Go. Hop. Derrière, derrière, pam. 4, 3, go. Allez, ça on va le répéter. Simplement, on plonge vers l'avant. 5, 6, avec moi. Hop, pied droit devant, recule. À nouveau. Évidemment, plus on répète, plus on assimile les choses,
C'est comme ça qu'on fait, hein. 5, 6, go. Droite. Encore, encore, encore. Bam, bam. Bam, bam. Hop. Une fois. Ensemble. Hop. Allez, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Regarde, moi je vais rajouter juste le baby et donne-moi les tap-up. Tac. Tac. On va essayer. 4, 3, 2, go. Hop. Derrière, derrière. Plonge devant. Recule. Petit pas. Et tap-up. Hop là. 4, 3, 2, let's go. On va rajouter un peu, hein. Tap up. Moi, c'est grand genou et petit. 4, 3, 2, début. Devant. C'est là. Genou y croise. Genou y croise. Petit droit. Genou gauche. Et ensuite le droit. Go! Genou croise. Grand. Grand. Deviens twist. 4, 3, go! Twist, twist, twist. Go! Allez, je t'ai envoyé directement les informations. Ça, les trois twists. Droite, gauche, droite. 5, 6, go! Et n'oublie pas dans la vidéo, hein, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile, tu reviens en arrière, il n'y a aucun souci. Moi, je vais avancer un tout petit peu, tranquillement. On essaye. Go! Là, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là. Hop! Genou, croise, les trois twists. 3, 2, 1. Moi, je vais rajouter juste deux petits stomps. Tap up, tap up. Boom. On a bien. 3, 2, 1. Et les deux petits, hein. Ça, c'est des stomps, c'est des pas de marche. On essaye. 4, 3, 2, go. Genou croise. Les 3, 3, 2, 1, et les deux petits. Tap up. Ça vraiment, je veux que ça, ça soit acquis. Donc on va travailler, on va répéter, t'inquiète pas. Tiens, d'ailleurs, je vais passer avec toi. 4, 3, 2, let's go. Genou croise, grand, rappelle-toi. Droite, gauche, droite et les deux petits pas. Tap up. Est-ce qu'on peut? Les trois, on les accélère. Droite, gauche, droite. Et on récupère ici. Trois petits. Non. Droite, gauche, droite. 3, 2, 1, stop up. Tu l'as eu du premier coup, non? On va réessayer. On va voir ça ensemble. Sens du rythme. Droite, gauche, droite. 4, 3, music, go. Go. Allez. Droite, gauche, droite. Top up. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. On garde le rythme, toujours. On est bien. 5, 6, 5, 6, go. Pam, pam, pam. 3, 2, 1, top up, top up. Hey, 3, 2, 1. Allez, ça va aller, on va le refaire, on va le refaire. 4, 3, 2, let's go.
sûr, hein. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Droite, gauche, droite. Gauche, gauche, gauche. Tap, tap. Hey. Gauche, gauche, gauche. Sur le step. Gauche, gauche, gauche. Rotation. 4, 3, 2, go. Allez, on va l'appeler le stomp hélicoptère. Pam, pam, pam. Stomp hélico. Hop, hop, tap up. C'est mieux avec des petits moyens mnémotechniques. Plus facile. Parce que je rappelle, il y a quand même 4 parties. Mais honnêtement, ça passe. Prends les choses tranquille. Pas de précipitation. 4, 3, 2, let's go. Sur le step. Après, la jambe droite, elle reste au sol. Et du coup, même chose quand tu tournes. C'est tranquillement. Ouais, tap up. Je sais, je sais. Je suis avec toi. Casse. 3. 2. On essaye ensemble. Go. Le sens de l'orientation sur la direction, utilisez votre bras. Là, ici, bras gauche, je le laisse, je le laisse. Ça me permet d'aller chercher. N'oubliez pas d'aller chercher loin. Beaucoup d'amplitude. C'est mieux. On essaie de le faire deux fois et ensuite on passe sur la partie numéro 2. On essaye. 5, 6, go! Je te laisse te concentrer. On le fait une fois. Une fois. 4, 3, 2, go. La première partie, tu l'as. Allez, allez dans la poche. On se retrouve sur la numéro 2. Voilà, numéro 2, elle est extrêmement facile. Vraiment, vous pouvez me voir. Voilà, le plus difficile en fait en soi, ça va être la mémoire. Uniquement ça. Ok, on démarre tranquillement avec de la marche. Droite, gauche, droite, tu connais. Et tap up. On est bien. Deuxième partie. Genoux. 4, 3, 2, allez avec moi, des genoux alternés, genoux et genoux, genoux, on est bien, hein. Rappelle-toi, hein. Si je vais à gauche, genou gauche, si je vais à droite, genou droit, tu m'en fais un, ici, basique, même chose, encore, genou, basique, continue. Avec moi. Ça, regarde. Tap up, tap up. Clac. On essaye. Go. Genou. Basique. Donne-moi les tap up. C'est des temps de pause, hein. Avec moi. Bam, bam. Les tap up. Encore. Hein? Tap up. On fait la même chose. Ouvre les yeux. Genou. J'aurais pu l'envoyer autrement, mais non. Moi, simplement, je vais garder deux basiques à la fin. Go. Genou, le premier ici, et le deuxième, les deux derniers. Version diagonale. Genou dans la même direction, le basique. Et les deux derniers. Même chose.
Genou, basique de face. Les deux derniers ici, dans la diagonale. On reprend. Genou. 5 et 6. Là. Le 5 et 6, il est important. 2, 3, 4. 5 et 6. On voit toutes les directions du step. Go. Genou. Moi, simplement ici. Je croise. Les deux derniers. On essaye. Genou. Je recule légèrement. Et je croise. Le 5 et 6. Là, ici, les deux derniers. Tranquille, étape up. Étape up. On souffle un peu. On a quoi ? Genou. On va l'appeler jazz square. Et les deux derniers basiques. Dans leur diagonale. 4, 3, 2. Genou. Recule. Croise, croise. 1. Encore. Tap up, tap up. Le premier genou. Un kick, ok, kick et même jambe qui monte en premier. 4, 3, 2, kick gauche, même jambe qui monte dans la gauche droite, gauche droite, kick it. Hey, c'est une partie hyper simple. Elle est symétrique, mais ça va, ça va. Ici à la fin, je monte, je descends, je remonte, je descends. Tap up, tap up. Sur la fin, tu connais, on n'a plus de basique. On monte à cheval, tranquille. On monte, on descend, on remonte et on redescend. 4, 3, je le fais avec toi. Go. Ici, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de piège. Ça. Droite, gauche, droite, gauche. Tap up. Il n'y a pas de piège, pas du tout. Non. Tap up. 4. 3. 2. Bon, je suis kické. Tap up. Alors oui, forcément, sur des cours par exemple de une demi-heure, on peut rester sur deux parties complètement, pas plus. Une demi-heure, ok. Trois quarts d'heure, on peut être sur du 2 à 3 parties. Mais là, vu que c'est une vidéo, honnêtement, bah, je me permets, je vous amène 4 parties. Vous pouvez prendre sur le temps qu'il vous faut, simplement. On le refait. Le kick. 5, 6, go. Là, le cheval, gauche, droite, gauche, droite. Même chose. Allez, donne-moi les tapes. Bam. Allez, sans plus attendre, on essaie de faire quelque chose. De coller la numéro 1 avec la numéro 2. Simplement. La première, rappelle-toi, c'est l'ouverture. Je te le remonte. Ça. Ça. Le fait de plonger. Je vais pas trop t'en dire. La numéro 1 d'abord. Souviens-toi, on termine avec l'hélicoptère. On essaye ensemble. 4, 3, numéro 1, go. Parfait ça. Numéro 2. C'est ça la difficulté. Allez, même si on est sur une vidéo, je te laisse une dernière, une deuxième et une dernière chance. Tranquillement. 4, 3, 2, le début, 5, 6, monte. Wow.
Ok, nous sommes sur la partie numéro 3. J'espère que vous en avez profité pour récupérer, vous hydrater. Et on attaque du lourd. Non, ça reste sur nos cordes. On est sur un cours débutant. Et débutant ne veut pas forcément dire, voilà, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de rotation, non. Ça reste des options qui peuvent nous amener sur du débutant plus, admettons. Maintenant, je voulais en venir sur quelque chose. Partie numéro 1, on va s'en rappeler avec l'ouverture et à la fin, l'hélicoptère, d'accord? C'est bien d'y mettre des mots, en fait. Des petits moyens mnémotechniques. Et la numéro 2, voilà, simplement le kick ou le cheval. Voilà. Toutes ces petites choses, en fait, sont hyper importantes pour garder en tête, en mémoire, bah, les 4 parties que vous aurez. Et bien sûr, à la fin, moi je me tais. Hein. À tout à la fin, franchement, je vous laisse travailler cette compétence. Elle est hyper importante. Allez, on démarre sans plus attendre. La partie numéro 3. Tap up. Elle est très facile. Donnez-moi 3 jolis genoux. 3. Et 3. Pareil, hein. Il en faut pour tout le monde en termes de niveau. Si c'est trop facile, bah vous prenez les options que je donne, les options plus difficiles. Sinon, bah vous restez sur des options plus cool, plus faciles. C'est détendu, hein, sur du débutant et du débutant plus. Genou. Est-ce que tu as vu la différence? Genou droit, genou gauche, genou droit. Je les ai alternés. Gauche, droite et gauche. Tranquille. Ça. Avec moi, regarde. Le deuxième genou, je l'aime bien. Un twist à la place. Au numéro 4. 1, 2, 3 et 4. Regarde bien le pied sur le step. Ce sera hyper important. Hop. Genou. Twist. Genou. Mais je sais que quand on commence à donner des options, on a envie de les faire. On a envie de les réussir. Ça, c'est propre à nous. Hein. C'est normal. Ok, on fait ça une fois et on va rester sur la marche. Une fois et on marche. 4, 3, 2, go. Genou, twist, genou et de la marche. On regarde bien, c'est simple. 5, 6, go. La marche. Moi j'ai 2 et 1. Marche, go. 2, 1. Let's go. Les deux. Un et deux. Et un et deux. Go. Gardez bien en tête, hein. Prenez l'espace. Ça. Jambe droite. Hop. L'ouverture. Go. Allez, regardez, la difficulté va arriver. Je vais monter sur le step. Regardez bien. 1, 2, 3, 4 et je crois. Step up. Boum. Heureusement, nous n'avons que 2 jambes. 4. 3. 2. Et droite et gauche, top, top. C'est uniquement de la marche sur le premier passage. Ça. 4, 3, 2, go. Bam. Encore. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, je vous donne une option. Là. Ça change pas grand chose. Juste l'orientation. Ça et ça. C'est exactement les mêmes pas. Sauf qu'on est derrière le step. Pour un petit temps donné. 1, 2, 3, 4 et tu reviens.
C'est pas grave si on veut pas le faire, hein. On peut très bien rester là. Aucun souci. Ok? Moi, je vais passer directement avec toi. T'es prêt? Go! Et hop, et bam, 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 encore. Là, je laisse l'option dure. Tac, tac, encore, encore, avec moi. Et lève, et twist, et lève. Rappelle-toi, le twist, il est numéro 4. 1, 2, 3, 4. Encore, encore, encore. Je fais sans l'option dure. 1, 2, 3, 4. À nouveau, 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, avec moi, je mets l'option dure. 1, 2, 3, 4. Twist. Twist. Reviens. Ça, ça, ça. Tap, 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 tap. Allez, allez, je sais, je sais, je sais. On va tout prendre. Avant de partir sur la passe. La phase numéro 4. Le début, l'ouverture avec l'hélicoptère. Go! Je me croise. Rapide twist. Droite, gauche, droite. Hey, l'hélico. La numéro 2, le kick. Ça revient, tranquille. On le refait. Kick. Ça convient de voir, ça convient de voir. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Tap, hop. On va le refaire, on va le refaire, pour être sûr. Par contre, je dis rien du tout, mais je suis avec toi. 4, 3, 2, go. Tap up, tap up. Est-ce que tu l'as vu? Après le basique.
Le petit baby mambo. Ou le petit son, si tu veux. On démarre là. On finit là pareil. 4, 3, 2, comptez. Allez, on peut lui rajouter du style. Le basique, le petit mambo. Tac, on reprend. Et le petit mambo. Tap up. Là, ici, c'est hyper important. Je vais mettre des tap up constamment. On va répéter. Parce qu'il y aura un petit point technique qui va apparaître. 4, 3, 2, go! Tap up, tap up. Qu'est-ce que j'ai fait? Un petit saut, une petite vague, une ondulation. Boum, boum, boum. Et je descends pied droit. Hyper important. On essaye. 5, 6, go. Oui. Petit pas. Pour le premier passage, oui. Sur le deuxième ici, je descends pied gauche. Oui. Basique. Et le petit. Je m'explique. Je m'explique. On a ça. Là, ici, on a plus genou. Hein. Après, ça dépend. Si tu veux l'option facile, tu gardes le genou. Et ensuite, bam. Ok, un petit saut. On descend pied droit. Et on attaque avec le basique. Alors là, je te l'ai montré brut, comme ceci. C'est pas très joli. Essaye. Petite onde. On descend pied droit. On a notre basique. Et notre baby mango. Et c'est la même chose ensuite de l'autre côté. Tagalak. Ok, et on descendra pied gauche. Cool. 4, 3, 2, musique. Let's go. Ouh. Pareil, hein, tu connais la chanson. Hein. Si tu sens que ça va pas, tu reviens un peu en arrière et on révise. 4, 3, 2, let's go. Tap up. Bah si tu me vois faire ça, tu sais ce qui va se passer quand même. Allez, je la fais avec toi. 4, 3, 2, go. Et la rotation, elle est là aussi. Hein. C'est une option, tu fais ce que tu veux. Soit tu restes sur du débutant, ou tu débutes en plus, plus. C'est toi qui vois. 4, 3, 2, let's go. Top up, top up. Allez, ça va bien se passer. Je rappelle, hein, celle-là, c'est une partie symétrique, donc il faut savoir travailler sa gauche, travailler sa droite. Ça va aller. 4, 3, 2, go. La même chose ici. Ça va. Tourne à droite, sur le step, et le petit. Bam. Sur la rotation, faites bien attention. Hein. On tourne bien, évidemment, sur la droite, mais on y pose le pied gauche. Ok, on y pose le pied gauche pour commencer la rotation. On essaye ensemble. 4, 3, 2, go. Droite, gauche. Et là, c'est le pied droit. Le pied gauche, pardon. La balle. Ok, ça. Pam, pam. Et on commence avec le pied droit ici pour tourner. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre tout depuis le début. La première, l'ouverture. Avec à la fin la clé, le stomp hélicoptère. La numéro 2, le kick. La numéro 3,
celle-là. Ok. Ou bien, comme tu peux, hein. Ça, ça, avec ça et le croisé. Et la numéro 4, c'est qu'on va voir sur les côtés, le jump ondulation. Et ça va se passer. On fait ça une fois au moins. Et après, on va répéter, répéter, répéter. Et j'aurai une petite proposition après vers la suite. Reste en tapeur. C'est parfait. Je te laisse te concentrer, fais bien attention, je reste face à toi. 4, attention. 4, 3, numéro 1, go. Sur la fin à ceux qui le souhaitent. Voilà, vous pourrez continuer la vidéo, aucun souci. Après, si vous êtes curieux, curieuse, voilà, n'hésitez pas. On est là. Ça, c'est bon, ça. Il y en a qui vont se reconnaître dans la vidéo. Ah, vous voulez mettre plus fort? Évidemment qu'on la refait. Évidemment. Ok, on va répéter ça. Je vous donne 4 chances. 4 chances et à chaque fois, il y a des tap-up. Des tap-up en. Par contre, je dis moins de choses possibles. Je vais un peu parler, mais pas trop. Allez. Thank you.
option. T'as encore d'autres options. Allez, je vais regarder ça. On est bon. Attention. 4, 3, 2, 1. Ok. Alors je baisse un peu la musique.
Juste un petit point concernant bah, les cours, ma chaîne YouTube, tout ça. Ma chaîne YouTube, il y a une majorité de vidéos me concernant. Alors, je vais être assez rapide. Me concernant, elles ne servent pas forcément à grand chose pour d'autres personnes. C'est plus pour moi en fait. C'est... Est-ce que ça flatte mon ego? On va pas mentir, peut-être, oui. C'est plus pour sauvegarder mes performances. Bah, je suis content, voilà, c'est des petites choses. Si ça peut motiver certaines personnes, eh ben c'est cool. Franchement, c'est nickel. Maintenant, voilà. Voilà. Deuxième cas, bah, c'est les vidéos que je fais là. Tout ce qui est step, LIA, renfo. Bien que le renfo, ça fait un petit moment que j'en ai pas vu. J'en ai pas fait. Plusieurs cas de niveau, donc je donne du débutant, de l'inter, du confirmé. Le débutant, bah, comme je vous l'ai montré, débutant normal, débutant plus, vous prenez comme vous le sentez. Ça, c'est le B.A.B.A., c'est la base. Prenez ce qui vous fait du bien. C'est le plaisir avant tout. Si vous souhaitez vraiment progresser, bah, n'hésitez pas. Hein. Si vous êtes là au moment de la vidéo, c'est que vous avez voulu poursuivre le petit challenge. C'est cool. Franchement, c'est cool. Après, si vous avez voulu regarder par curiosité, bah, c'est très bien aussi. Vraiment. Mais voilà, là, j'apporte juste mon petit point de vue, mon partage d'expérience et mon point de vue humain aussi. Parce que je me mets également à votre place. J'en ai suivi des cours. J'ai pris des claques, forcément. Et moi, quand j'en ai suivi des cours, hein, c'était pas forcément en tant qu'adhérent. C'était, j'étais pour prendre de l'expérience pour ma profession, en fait, simplement. Mais je sais ce que c'est d'être face à un niveau un peu trop dur. Et c'est pour ça que c'est très bien de choisir les options. J'y tiens, je le souligne. Voilà, bon, c'était un petit point dessus. Je vais pas dire grand chose de plus. Je ne monétise pas ma chaîne YouTube. C'est juste pour partager et suite aux événements de 2020. Et voilà, c'est un acte solidaire. Quand j'ai le temps, je peux. Voilà, je promets pas, mais quand j'ai le temps, je peux. On essaye, on fait la pyramide comme on vient de voir. On a eu combien là? 3 minutes de pause? Allez, on a eu 3 minutes de pause, on s'est refroidi un petit peu, c'est pas grave. On a la 1, la 2, la 3, la 4, et on descend avec la 4, la 3 et la 2. D'accord? Ça, on va le travailler. Allez, je te mets du volume et on est parti. Top single. Maman les tapotes. Et là, tu commences à t'ambiancer chez toi, là. Ça commence à monter. On se rappelle, hein, la numéro 1, c'est l'ouverture. On essaye ensemble. 4, 3, 2, go. Volume 4, 3, 2, go.
fort. Comme là, il y a une option, hein. Là, si tu veux pas sauter, juste un genou. Si tu veux pas tourner, juste un basique. Go. Ça passe toujours très vite.